Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Valérie Gendre et je suis maître Reiki en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, sur les soins que je donne en présence ou à distance et sur les stages que j'organise pour les quatre niveaux de Reiki et également sur la découverte des chakras, je t'invite à consulter mon site internet terre-reiki.fr. Première vidéo d'une série de 7 vidéos sur les 7 chakras. J'ai déjà fait une, voire plusieurs vidéos sur les chakras dans leur généralité. Je ne vais donc pas revenir sur ce qu'est le système des chakras. Je t'invite à regarder cette vidéo si tu veux connaître la globalité. Mais vraiment, dans ces vidéos, je vais focaliser sur un chakra à chaque fois. C'est la première vidéo et je commence donc par la base, par le premier chakra, le chakra racine, le root chakra en anglais et en sanskrit, la langue ancienne de l'Inde, le Muladhara chakra, le chakra racine. Et comme son nom l'indique, c'est un chakra qui nous ancre à la terre, qui nous dit que notre place est sur la terre. C'est donc le chakra par lequel je vais me sentir à ma place partout où je suis, où je vais me sentir légitime. C'est également le chakra qui va me donner un sentiment profond de sécurité intérieure et de stabilité. Alors pour savoir si ce chakra est bien actif et bien solide, eh bien pose-toi ces questions-là tout simplement. Est-ce que je me sens stable? Est-ce que je me sens en sécurité? Est-ce que je me sens solide? Si tu réponds trois fois oui à ces questions, ton chakra, il est bien ancré a priori. D'autres questions subsidiaires vont venir s'ajouter. Est-ce que je suis bien dans l'instant présent ou est-ce que je suis toujours sur plusieurs projets en même temps et j'ai tendance à me disperser? Est-ce que je suis dans l'avenir? Est-ce que je suis dans le passé? Ça, ce sont aussi des signes qui nous disent que au niveau du chakra racine, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à travailler. Le chakra racine, c'est vraiment le chakra de l'ici et maintenant. Où que je sois, il n'y a pas un meilleur endroit où je puisse être, il n'y a pas un meilleur moment. Les choses, elles sont parfaitement arrangées pour que je sois à ma place. C'est le chakra de notre survie, c'est le chakra qui se développe chez l'enfant entre sa conception et ses 7 ans. Ce qui fait que quand un enfant a la chance de grandir dans un climat stable, solide, sécurisant, il va avoir un chakra racine très épanoui, très fort. A contrario, si l'enfant a eu une enfance déstabilisante, alors ça peut être des parents qui divorcent, ça peut être des déménagements non préparés, ça peut même être des voyages non préparés, parce que le voyage nous déracine en fait en quelque sorte, nous propulse dans un monde inconnu. C'est parfait lorsque c'est préparé, également un déménagement, c'est parfait lorsque c'est préparé. Mais quand ça ne l'est pas, quand l'enfant n'est pas préparé, quand on ne lui a pas expliqué, quand il n'y a rien eu de fait en amont, ben ça peut être très très déstabilisant. Et ces choses-là peuvent venir déstabiliser le chakra racine. La bonne nouvelle, c'est que même si toi, adulte maintenant, tu n'as pas eu la chance d'avoir cette enfance qui donne un sentiment de sécurité intérieure, toutes les cartes sont rebattues à chaque instant et il ne tient qu'à toi de fortifier ton chakra racine et je vais te donner dans cette vidéo des trucs et astuces pour fortifier ton chakra racine. Ça, c'est pour l'enfance parce que le chakra racine se développe donc dans l'enfance et évidemment dans notre vie d'adulte. Eh bien, il y a également des circonstances qui vont venir parfois affaiblir le chakra racine et d'autres fois, au contraire, le fortifier. Donc, tout ce qui va venir affaiblir le chakra racine, c'est ce qui touche à des changements dans notre vie quotidienne. Je te parlais de déménagement tout à l'heure, mais le déménagement, c'est déstabilisant. La perte d'un emploi, c'est également très déstabilisant pour le chakra racine parce que le travail, c'est notre capacité à subvenir à nos besoins. Or, le chakra racine, c'est le chakra de la survie et c'est le chakra dans lequel
tous nos besoins sont satisfaits et en particulier nos besoins primaires, notre besoin de manger, d'avoir un toit sur la tête, de subvenir à tous ces besoins matériels. Là, on est vraiment dans le matériel. Si notre organisation matérielle se trouve chamboulée, bouleversée de quelque façon que ce soit, notre chakra racine va se trouver impacté. Au contraire, si je stabilise ces éléments-là de ma vie, donc la maison, le travail, la famille, eh bien là, il va se trouver renforcé. La naissance d'un enfant va venir aussi bouleverser le chakra racine, parce qu'un enfant, il va venir renforcer le chakra racine des membres de la famille, mais en même temps, c'est un événement tellement bouleversant que, avant de renforcer le chakra racine, il va y avoir quelques petits ajustements à faire pour justement pouvoir accueillir cet enfant dans la nouvelle famille. Ça, c'était un événement heureux, un événement agréable. Évidemment, les décès vont venir aussi affecter le chakra racine. Tous les décès qui touchent à la famille et les décès qui touchent également les animaux domestiques de la famille qui font partie de notre famille. Et c'est très important d'avoir un chakra racine solide parce que, comme je te disais, c'est lui qui va faire en sorte que tu te sentes à ta place. Et c'est vraiment le premier chakra, chakra racine, on pourrait aussi l'appeler le chakra de la fondation, c'est le chakra de la base, c'est comme une maison en fait. Hein. Ta maison, elle ne peut pas être construite sur du sable, il faut qu'elle soit construite sur quelque chose de solide et c'est sur ce chakra racine que tu construis ta maison et que tu construis la maison que tu es en quelque sorte. Après, tous les autres chakras vont venir s'étager les uns par-dessus les autres, mais le premier, c'est le chakra racine. Alors, prends-en soin. Comment stimuler le chakra racine ? Je t'ai donné des pistes à l'instant pour mesurer l'activité de ton chakra racine. Donc, si tu ne te sens pas stable, pas solide, si tu as un sentiment de précarité plus, si tu as beaucoup d'inquiétudes concernant ton avenir matériel, si bien évidemment tu traverses l'une des phases que j'ai décrites précédemment, que ce soit un déménagement, une rupture, un décès, etc., la perte d'un emploi, tout ça, ça va venir perturber ton chakra racine. Et tu sais, quand tu es dans ces phases-là, que tu as besoin de venir chouchouter, cultiver ton chakra racine. Je sais que vous êtes nombreux, vous qui regardez ces vidéos, à vous intéresser aux pierres. Et il y a des pierres qui vont venir booster l'activité de chaque chakra. Le chakra racine, il est de couleur rouge. Donc, traditionnellement, on va dire que toutes les pierres de couleur rouge vont venir stimuler le chakra racine. Mais il n'y a pas beaucoup de pierres de couleur rouge, à part le grenat, par exemple. Et j'en porte un à la main droite, qui est pour moi la main féminine, la main de la terre. Comme la terre, c'est l'élément du chakra racine, je préfère porter le grenat à la main droite. Donc là, on ne voit pas forcément qu'il est rouge, mais c'est une pierre rouge, le grenat. Il m'est arrivé parfois de porter ce grenat à la main gauche. Et j'avoue que les résultats étaient assez intéressants aussi. Donc, fais tes tests, regarde ce qu'il en est. J'aime bien porter cette pierre en bijou, comme ça je l'ai tout le temps sur moi, mais le grenat ou ta pierre d'ancrage, ta pierre du chakra racine, tu peux l'avoir dans la poche, tu peux l'avoir sur ton bureau, tu peux l'avoir où tu veux. Donc ça, c'est un grenat. Il existe également une pierre que j'aime beaucoup, que j'ai déjà eu l'occasion de présenter sur Instagram, qui est la pyrite cube. La pyrite, on dirait vraiment que c'est une pierre de métal, donc évite de la poser sur ton ordinateur. Ce que je remarque avec cette pierre-là, c'est qu'elle m'aide à me centrer sur mes projets lorsque j'ai tendance à m'évaporer et à être sur plusieurs projets en même temps. L'ancrage, c'est également ça, c'est pouvoir se focaliser sur une chose à la fois. C'est quelque chose que perso, j'ai beaucoup de mal à faire et la pyrite m'aide. Par contre, à un moment, j'avais la mauvaise idée de la poser directement sur mon ordinateur. Je pense que c'est pas bon, justement parce qu'elle est très très métallique. Mais posée sur ton bureau, eh bien, c'est une pierre qui va vraiment t'aider à te centrer, à te focaliser sur ton objectif du moment. Parce que plus on se disperse, moins on arrive à faire les choses en fait. Moi, j'aime bien la pyrite pour ça. Donc, une pierre chakra racine, mais vraiment dans l'idée d'être ici, maintenant, dans le projet de ici et maintenant. Et puis, il y a une pierre
Alors moi je l'appelle la pierre de lave, elle a certainement un nom un peu plus scientifique que ça. Ça c'est une pierre que j'ai ramassée en Auvergne, donc vraiment une pierre de volcan. Les pierres volcaniques ce sont par essence des pierres du chakra racine, t'imagines bien, ce sont des pierres qui viennent du cœur de la terre. Donc voilà, tu peux aussi avoir tout simplement une pierre comme ça qui va venir booster ta solidité. Ton ancrage. Donc, comment utiliser ces pierres-là? Bien là, tu vois, je sais pas. Mon instinct me dit que j'ai intérêt à la modeler comme ça dans mes mains. Enfin, modeler une pierre de lave, tu peux toujours y aller. Mais en tout cas, à la voir dans les mains, à bouger avec, à sentir son contact sur mes mains. Là, tu vois, dans l'instant où je te parle, ça me fait un bien fou. Et c'est important de laisser parler. Notre intuition corporelle, physique. Tiens, avec cette pierre, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire ça. Eh bien, fais ça, tout simplement. Tu peux aussi, bien sûr, l'avoir posée chez toi, là où tu veux. Et puis, de temps en temps, pour toutes les pierres, hein, c'est bien quand c'est la pleine lune de les poser dehors pour qu'elles prennent des bains de pleine lune. Ça les nettoie, en fait, ces pierres-là. Donc voilà, pierre d'ancrage. Le chakra racine, c'est vraiment aussi le chakra qui nous rapproche de l'arbre. C'est comme si nous étions un arbre. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de méditations pour stimuler le chakra racine qui consistent à penser, à nous représenter avec des racines sous les pieds. Et au fur et à mesure que nous avançons dans la méditation, nous imaginons que nos racines, elles s'enfoncent sous la terre. C'est une méditation que je vais faire très prochainement également sur YouTube. Nos méditations des racines. En yoga, il y a ce qu'on appelle la posture de l'arbre, qui est la posture pour venir stimuler le chakra racine. Je t'invite à regarder sur internet cette posture de yoga, posture de l'arbre. C'est donc une posture très connue qui consiste à se tenir sur un pied, l'autre jambe est repliée contre la cuisse et les bras sont comme ça au-dessus de la tête. Et on se tient le plus vertical possible, le plus droit possible et on tient le plus longtemps possible. On fait cette posture d'un côté, on fait cette posture de l'autre côté. La posture de yoga, c'est quelque chose de magique. Tu vas passer par le corps pour donner la stabilité à ton être entier, à ton corps physique et également à ton mental. Le yoga est vraiment une clé précieuse. Et la posture de yoga, comme la méditation des racines, c'est quelque chose à faire pendant 21 jours pour avoir des résultats. 21 jours, c'est un délai nécessaire pour intégrer de nouvelles habitudes. Par ces deux exemples que je te donne, tu vois que l'arbre est très associé au chakra racine. J'habite en Bretagne et j'ai connaissance de l'astrologie celte qui est découpée en 21 signes et 21 périodes. Et chaque période est associée à un arbre. Les signes de l'astrologie celte, ce sont des arbres. Et je t'invite, je vais laisser un lien sous la vidéo pour que tu puisses aller voir, si en tout cas tu as cette curiosité-là, quel est ton arbre dans l'astrologie celte? Et je t'invite à te rapprocher de l'énergie de cet arbre, de regarder peut-être des images, des photos de cet arbre. Je pense à ça parce que le mien, en l'occurrence, est un noyer. Et en Bretagne, on a très peu de noyers. Donc, je ne sais même pas où je vais pouvoir en trouver un près de chez moi. Donc, mais là, j'ai bien l'image de cet arbre-là que j'aime beaucoup. Donc, soit tu as la chance d'avoir ton arbre à côté de chez toi. Et puis là, tu vas pouvoir aller le voir, tu vas pouvoir poser tes mains sur lui, tu vas pouvoir l'enserrer dans tes bras. Si tu n'as jamais fait ça, je t'invite vraiment à essayer, que ce soit avec ton arbre celte ou que ce soit avec un autre arbre, avec un chêne par exemple, qui est l'arbre roi de la forêt par excellence, en tout cas le roi de la forêt ici en France. Bien, je t'invite à venir enserrer cet arbre-là dans tes bras et à ressentir toute l'énergie de l'arbre, à communiquer en quelque sorte avec lui. Et j'aime pas dire prendre l'énergie de l'arbre, mais t'inspirer de sa sagesse. L'arbre, il ne bouge jamais. Il est toujours à la même place. Il n'a pas cette faculté de se mouvoir que nous, animaux, nous avons. Il est obligé, en quelque sorte, de se sentir bien là où il est et de travailler avec ses racines pour être le plus stable possible et pour puiser dans la terre toute l'énergie dont il a besoin. Et quand tu te connectes à un arbre comme ça, tu peux ressentir ça, tu peux ressentir cette sagesse qu'il a, cette faculté qu'il a de tirer de l'endroit où il est toutes les ressources dont il a besoin. C'est quelque chose de magique. Donc soit tu le fais
avec ton arbre de l'astrologie celte que tu auras découvert. Soit tu le fais tout simplement en allant dans une forêt, tu te laisses porter, c'est plus facile quand on est seul, tu es dans le silence, donc tu oublies les écouteurs, tu oublies le téléphone, tu es dans le silence, tu marches, tu te laisses imprégner de l'ambiance de la forêt, c'est exactement ce que les Japonais appellent un bain de forêt, tu te laisses imprégner de cette ambiance et tu peux formuler dans ta tête l'intention de trouver l'arbre qui va te faire du bien. Une fois que tu as formulé cette intention, tu continues à marcher, tu peux t'arrêter, tu peux observer. Et là, laisse-toi guider tout simplement par ton intuition et va poser tes mains sur l'arbre qui te guide, l'arbre qui t'appelle. Tout simplement. C'est simple. Toutes ces techniques-là, elles sont très simples. On veut en faire des choses compliquées et c'est simple. Et qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas te gorger comme ça de l'énergie de ton arbre ? Et tu vas venir stimuler ton chakra racine. Et lorsque tu fais ça, lorsque tu prends l'arbre dans tes bras, sois vraiment entièrement dans l'instant, soit dans tes ressentis corporels, pour voir ce qui se passe en toi à ce moment-là. Tu restes le temps que tu le souhaites, puis ensuite tu peux repartir. Et quand tu marches dans la forêt, quand tu prends ce bain de forêt, pense que tu es là justement pour nourrir ton chakra racine. En fait, on dit que l'énergie est guidée par la pensée. Ça veut dire que si tu penses à ton chakra racine, eh bien tu vas le nourrir encore plus que si tu marches dans la forêt en pilotage automatique. Donc, si tu vas dans la forêt spécifiquement pour nourrir ton chakra racine, pense que c'est vraiment ça que tu es en train de faire, sois dans l'instant présent et imprègne-toi de toute l'ambiance de la forêt, de toute cette énergie des arbres qui est là et qui est une énergie magique. Le chakra racine, dans notre corps physique, si on doit lui donner un endroit, il est dans la zone du périnée, tout en bas de notre colonne vertébrale. Lorsque nous contractons le périnée, en fait, nous entrons en relation avec notre chakra racine. Et nous avons des chakras secondaires du chakra racine dans les pieds, ce qui fait qu'à chaque fois que nous marchons pieds nus, nous activons notre chakra racine. Alors là, ce n'est pas forcément la bonne saison pour aller marcher pieds nus dans la forêt, quoique, mais en tout cas, le mieux que tu puisses faire, c'est ça, aller marcher pieds nus dans la forêt. Alors peut-être pas au mois de janvier. Sois prudent, garde peut-être tes papates au chaud. Et quand tu marches dans la forêt, à certains moments, mets aussi ton attention sur tes pieds. Pense avec tes pieds, comme j'aime le dire, et tu vas venir stimuler aussi ton chakra racine. En règle générale, à chaque fois que tu marches, à chaque fois que tu fais quelque chose de manuel, tu vas venir activer ton chakra racine. Souvent, notre chakra racine manque d'énergie parce que nous avons trop d'énergie dans la tête. Typiquement, lorsque nous passons trop de temps sur nos ordinateurs et sur nos écrans. Donc, il est nécessaire dans ces périodes-là de faire autre chose, d'aller marcher, de bricoler, de faire à manger, de faire le ménage, de faire du jardin. Le jardin, c'est la chose à faire pour stimuler le chakra racine puisqu'on est carrément dans l'élément de la terre qui est l'élément du chakra racine. Toutes ces choses-là qui nous vident la tête, elles sont bonnes pour le chakra racine. Elles vont venir stimuler l'énergie du chakra racine et donc nous nous sentirons mieux, plus stables, plus solides, plus en sécurité. Toutes ces belles qualités du chakra racine. On a toujours besoin de stimuler le chakra racine, toujours, toujours. Pas forcément en faisant des méditations qui vont durer 21 jours, mais à chaque jour de notre vie, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de prendre un temps pour notre chakra racine. C'est hyper important, surtout pour toi qui regardes cette vidéo. Parce que par définition, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé à tout ce qui touche à la spiritualité. Sinon, je pense que tu ne serais pas là. Et donc, ça veut dire que chez toi, les chakras du haut sont très actifs et c'est impérieux, c'est important de venir stimuler ton chakra racine, le chakra de la base, pour venir équilibrer la circulation de ton énergie. Voilà, j'ai été assez bavarde, je pensais faire une vidéo plus courte. Il y a évidemment plein d'autres choses à dire sur le chakra racine. Cette vidéo, c'est juste pour te faire découvrir, pour mettre un focus spécial sur chakra racine. Prochaine vidéo, chakra sacré. Et prochaine vidéo,
petite méditation des racines justement que je suis en train de préparer pour toi. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, n'hésite pas à t'abonner et à faire sonner la cloche pour être informé des vidéos au moment où elles sortent. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.